La route forestière est assez longue, mais bon, on a de chouettes paysages, hein, sur le mont de la Coche, là-haut, par exemple. Ou sur le Peclo. Ou tout au bout, là-bas, sur la pointe des Arces. Bon, par moments, c'est au soleil. C'est une rando qu'il vaut mieux faire le matin, c'est au soleil tout le temps. Là, la route forestière est à l'ombre. Allez, on poursuit. Grandiose aujourd'hui le spectacle. J'ai chaussé les raquettes au petit chalet là. Ouais, il y avait du monde, je ne me suis pas trop arrêté. Un petit coup de traîneau. Un petit coup d'arcalo, de mont de la Coche. C'est fabuleux, c'est fabuleux. La combe d'Arcluse, en plein soleil, c'est vraiment magnifique. Il y a beaucoup de monde qui est passé. De l'autre côté, bah, la montagne de la Lanche. Et toute la traversée, bah, jusqu'à la pointe des Arlicots. Et puis bien évidemment, bah, la dent d'Arcluse tout là-bas, avec sa gigantesque croix. Allez, je vais poursuivre. Il y a un skieur de randonnée juste devant moi là-bas. Bah, il y a du monde au col là-haut. Il n'y a plus qu'à y monter. Hein. On n'est pas encore arrivé. Enfin, pas loin maintenant quand même. Les chocards s'amusent bien dans les rochers là-haut. Enfin au col. Alors si vous montez là, n'oubliez pas qu'il n'y a pas beaucoup de dénivelé. Par contre, c'est très long en distance. Mais bon, quand on arrive ici, c'est vraiment... Il y a du spectacle. Hein. On voit toutes les bauges. Puis en face là-bas, ben, il y a toute la chaîne du Grand Arc. Donc dans le creux, en bas, il y a Albertville, c'est la combe de Savoie. Mais j'ose pas trop m'approcher du bord, il y a d'énormes corniches. Tout au bout là-bas, on voit les Cibelles, c'est magnifique, vu d'ici. Bah, de partout, elles sont magnifiques, les Cibelles. Après, il y a tout Belledonne. Sur la droite, on voit la Chartreuse. Au pied, ben, il y a Grenoble, ben, que j'irai pas voir cette fois. Puis tout au fond, ben, probablement le Vercors, mais on voit pas bien là. Hop, on recule un peu, voilà. Bon, en tout cas, c'est une sacrée sortie. C'est crevant, ça c'est sûr. Juste en dessous de l'énorme croix de la dent d'Arcluse. Il n'y a plus qu'à redescendre. Et au début, on voit pas de là, mais il y a un gros raidillon. D'ailleurs, c'est crevant quand on monte. Allez, c'est parti. Il est 5h moins le quart, il est temps de redescendre. J'ai même pas 2 heures de jour. Eh ben purée, me blanc, enfin arrivé. Ras-le-bol de cette interminable route forestière qui est très longue, il y en a pour une bonne heure à descendre et ça descend vraiment plan plan. Voilà. Mais bon, vachement content de ma rando quand même. 5 heures de marche à fond, c'est crevant quand même, mais bien, ça fait du sport, ça fait du bien.